الأراز إضافة نوعية في هياكل الصحة في تونس. القطاع الخاص والقطاع العام يتنافسوا اللي فيه خير المواطنين وفي خير كل إنسان في تونس. الهدف هو تصدير الخدمات الصحية. المساحة دي فما طاقم معناها طبي وفما معناها إطار فني محترم جدا، وهذا يسعدنا. كان في إطار معناها الإجراءات المعمول بها من واجبي باش نكون حاضر اليوم في تدشين المساحة هذه، من واجبي باسم وزارة الصحة وباسم الحكومة باش ندعم كل استثمار يكون معناها في خدمات للتونسيين، يكون فيه تصدير للخدمات هذه خارج الوطن، يكون فيه توفير لمواطن شغل، ويكون فيه بالخصوص معناها إضافات نوعية، ويكون فيه بالخصوص معناها تقنيات جديدة في كل الاختصاصات الطبية. أنا سعيد بهذه الإضافة، وإحنا على مستوى الحكومة كل تونسي وكل مستثمر وكل كفاءة وطنية يتوجه نحو الاستثمار إحنا رانا معاه وفي خدمته وعلى استعداد باش ندعموه حتى يكون فما معناها الخلق ثروة، حتى يكون فما ثقافة حب الوطن وخدمة الوطن، حتى يكون فما توفير لمواطن الشغل، وحتى يكون فما خدمات أفضل للتونسيين سواء في القطاع العام وإلا في القطاع الخاص، الكل لتونس والكل لمصلحة تونس. أنا en fait mon poste il est là principalement pour s'occuper de la stratégie de développement de la clinique sur les prochaines années et de l'innovation. Donc, essayer de faire les choses différemment. Si on a une nouvelle machine, une nouvelle technique, une nouvelle technologie qu'on peut mettre en place, une nouvelle procédure de travail qu'on peut mettre en place, une nouvelle technique pour s'occuper des patients, là, c'est mon travail. Je suis concentré là-dessus et c'est ma responsabilité toute la journée, c'est ce que je fais. Première chose, c'est l'objectif, c'est d'assurer la sécurité des patients, la sécurité des soins. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on a signé avec Canada Accréditation. C'est le premier accréditeur francophone dans le monde de structures de santé. Et on a d'ici à 2020 à respecter plus de 2000 critères. Donc c'est des critères qui touchent que ce soit la gouvernance, la gestion, le parcours de soins, que ce soit dans le bloc opératoire ou dans les chambres. Donc ça couvre toute l'activité de la clinique et on est la première clinique en Tunisie et en Afrique à se lancer dans cette aventure avec Canada Accréditation. La clinique La Rose, c'est une clinique multidisciplinaire, fait beaucoup de disciplines. On a des disciplines de chirurgie, chirurgie générale, de chirurgie orthopédique, chirurgie plastique. Donc on fait de l'esthétique, nous avons aussi de la chirurgie pédiatrique et bien sûr on a le pôle mère-enfant, donc nous avons une maternité et un centre de fertilité, de centre de PMA. Nous avons un centre de néonatologie qui est un centre très performant. Maintenant nous pouvons arriver à faire vivre des enfants au sixième mois. Donc, et on a eu l'expérience, nous avons déjà 4 bébés qui ont été sauvés au sixième mois, qui sont sortis indemnes, ils sont rentrés avec leurs parents. Ça, c'est une nouveauté. La deuxième nouveauté, nous avons la radiologie, le service de radiologie qui prend toutes les urgences et fait pratiquement toutes les radios possibles et imaginables et inimaginables. Nous avons un scanner qui est de 64 barrettes, c'est un scanner très performant. Et nous avons surtout une IRM, ce qu'on appelle l'IRM ouverte. L'IRM ouverte qui est très sollicitée. Maintenant, nous commençons à avoir des demandes de rendez-vous déjà, rien qu'à l'annonce de l'IRM ouverte. C'est une IRM qui est facile à faire. Donc les gens qui ont peur peuvent accéder facilement à l'IRM, les gens qui sont obèses, les claustrophobes, les enfants, les femmes enceintes. Alors tous ces gens-là peuvent aisément faire cette IRM ouverte. Cette IRM n'existe nulle part sur le continent africain. Elle n'existe qu'en Tunisie, à Clinique La Rose.